Ça doit être de résonance entre sur The Witcher 3 Wild Hunt pour la suite. Donc voilà. Donc là, j'ai pas trop fait de mental. Donc j'ai trouvé une intro, une intro. Alors qu'il cherchait la peut sorcière dire avec laquelle un s'il s'était début, une lié, fin. Geralt tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. De vidéos comme je Geralt fais dans poursuivit donc sa route avec Kera, Sculpting en quête du repère du et mage. Dragon Il Ball s'avéra que Ciri n'était Universe jamais 2. parvenu jusqu'au mage elfe. Voilà. Mais la chasse Là j'en sauvage, suis. si. L'armée spectrale semblait avoir un temps Et. d'avance sur Geralt. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui Ouais. fournit une nouvelle piste. Les Battlefield 1, moires je et la serai de. marée du temps Non, s'échine. non. Je vais. Je vais en faire sur Overwatch. Tiens. Des montages sur Overwatch, je vais essayer d'en faire. Ça va être cool. Vraiment cool. Donc voilà. Donc c'est vrai, je vous le savais, laissé là. Comment je sors? Artec. Ah ouais, vu que je suis con, j'aurais pu. Aïe. Voilà. Comme j'ai dit, je suis con. Voilà. Donc je vais vous laisser là et je vais aller là-bas. Allez, à toute. Donc, re. Alors, je suis à côté de du point. Donc voilà. Ok, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà. Je suis là et j'y vais. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Bonjour. Je voudrais vous parler. C'est tout ou quoi? Qui êtes-vous? Je suis sorceleur ou je suis Alicia? Je suis sorceleur. Je suis sorceleur. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. Que me voulez-vous? En savoir plus sur Annabelle. Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle? Comment pouvez-vous la connaître? Je l'ai vue, je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison. Et j'ai pas pu la sauver. Vous l'aimiez? Oui. À la folie. French Kiss! Je l'aime à la folie! French Kiss! Je l'aimais tellement que j'ai voulu croire qu'on s'en sortirait. Qu'on vivrait ensemble. Bien sûr, son père était contre. Sa fille chérie avec un poulieu. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fig? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Emily. Avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte. Vu que je leur vends du poisson. Ils vous ont obligé à les accompagner? Non. J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle. Mais le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Ils voulaient la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en gueulant que je voulais mourir. En faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Vous m'obligez pas à poursuivre. Qu'avez-vous dit très exactement?
Vous dites avoir quitté la tour et l'île en beuglant. Qu'avez-vous dit très exactement? Je m'en souviens pas. J'ai souhaité qu'il paie pour ce qu'il lui avait fait subir. Ça a pu suffire à les maudire. La magie est puissante sur l'île de Fik. Passion, malveillance, émotions fortes peuvent l'activer. Vos paroles sont peut-être à l'origine de la malédiction. C'est à cause d'eux qu'elle a pris le poisson. Ce canapé. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Mais ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids et de rats. Elle était chaude, les rats l'ont dévorée vive. Vous voulez dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue? Impossible. Elle était froide comme un cadavre. Je l'ai secouée, suppliée d'ouvrir les yeux. Jamais je n'aurais. Eh ouais. C'est pas de... Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poison. Dieu, qu'ai-je fait? Si j'étais resté pour l'enterrer, j'aurais remarqué qu'elle vit. L'issue aurait pu être différente et heureuse. En restant sur l'île, vous n'auriez certainement pas survécu. J'aurais préféré mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats. Mais je ne peux plus rien y faire. Vous faites erreur. Annabelle a besoin de vous pour que son âme trouve le repos. Mais que puis-je faire? Il est trop tard. Enterrer sa dépouille. Annabelle doit être inhumée par un être cher. C'est le seul moyen de lever la malédiction de l'île de Fik. Ce sont ses os? Oui. Posez-la ici. Et laissez-moi seul. Donc, informer qui a... Ouais, je vais informer qui a... Il a gueulé ou... Il est mort. La pauvre Annabelle n'était pas un spectre ordinaire. Et une pesta. Et la voici libre. J'ai rien à dire. Sachez que j'ai déjà fait cette mission. Bon, je me souvenais pas de ce qu'il fallait faire quand j'étais là-bas. Ça, j'avais pas fait en fait. J'étais pas rentré. J'avais pas vu qui s'était suicidé. Bon, tant pis. Dommage. Oh, il s'est suicidé quoi. Allez, viens, Blaise. Putain, j'ai causé sa mort quoi. Oh putain, que j'ai causé sa mort moi. Ouais. Ah, une caisse. Oh, tout doux, ma belle. Bon, je m'écarte un peu. Que faites-vous ici? Comment? Et d'où vous sortez? La lune? On fait des offrandes au Tout-Puissant, pardi. Vous aussi, il vous écoutera. Si vous lui donnez ce qu'il demande, vos offrandes, il les a rejetées et maudit tout le village. Ce Tout-Puissant, comme vous l'appelez, jamais entendu parler. C'est un nouveau dieu? Non. Il est ancien, vénéré par nos ancêtres. D'après eux, il s'est passé ça. Roslav Dorton est venu ici ramasser du bois. Là, sans raison, voilà qu'un buisson s'embrase. Et Roslav, il entend une voix qui sort de terre, qui exige offrande et soumission. Depuis, on vient porter des offrandes. En échange, le Tout-Puissant veille sur nous et nous protège du mal. Ça crève les yeux. Quel est le problème avec vos offrandes? Pas la peine de se moquer, hein. Voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Qu'est-ce qu'on y peut? Les temps sont durs.
Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que s'il a pas sa ration de lard et un tonneau de bière, les rivières, elles vont grouiller de grenouilles et que les sauterelles, elles vont boulotter nos récoltes. Je pourrais intercéder en votre faveur auprès de ce Tout-Puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un arrangement. Ma foi, ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'autel et beugler. Tout-Puissant, aide un pauvre air dans le besoin. Et qui sait, il écoutera peut-être un étranger. Yeah. Bon, je crois que c'est... Je vais rester quiet après, quand j'aurai parlé à Kéra. Plus vite. Attends, est-ce que mon micro est activé? Oui. Voilà. Kéra. Gérald, tu commençais justement à me manquer. L'île de Fic est libérée de son maléfice. Et je l'apprends seulement maintenant? Pourquoi? Tu avais le Xenovox? Ah, et la malédiction, d'où provenait-elle? Le maléfice était centré sur l'esprit d'Annabelle, fille du seigneur local. Graham, son bien-aimé, m'a aidé à la libérer et à libérer l'île. Et tout s'est bien terminé? J'ai levé la malédiction. L'île est donc purifiée. Annabelle repose en paix. Seul Hic... C'était une pesta. Graham est mort. Et tu n'avais rien remarqué? Tu perds la main. Enfin, la malédiction de l'île de Fic est levée, c'est l'essentiel. Je serais tenté de dire, beau travail. Merci. Cette lampe, que comptes-tu en faire? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. En fait... Je regrette de ne pas t'avoir accompagné. On pourrait rattraper le temps perdu. Quelque chose me tracasse. Quoi? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies. Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. Ok. Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu pourrais peut-être t'attarder un peu? J'aurais une petite faveur à te demander. Quoi donc? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Entendu. Pourquoi pas? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfuté. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurai faire preuve de gratitude. Je ferai la faveur amicale juste après la mission, comme prévu. Le chaman soucieux sollicite vos services de sorceleur. Vos sorceleux services. Que voulez-vous, je vous écoute. D'un homme sans peur, le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche. Des rituels, il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez béni. Hâtons-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là,
dans le cercle de pierre. Le chaman vous attendra. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Donc... Donc je répare mon armure et après je vais faire une ellipse, je regarderai jusqu'à que j'aille au point. Mais dès que je revois devant le point, je vous le dirai. Je sens que le montage va être chiant, mais bon. En avant. Donc, allons-y. Assez vite, tablette. Ça fait mal. Ouais. Vous sauriez forger une arme selon ce schéma. Adieu. Donc on se retrouve sur là. Donc voilà. Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné? Oh, tout puissant. Aide un pauvre air dans le besoin. S'il te plaît. Pourquoi déranger mon divin sommeil, mortel? Pour demander à votre divinité de lever la malédiction que vous avez lancée. Ces paysans n'ont vraiment pas... Ils présentent des offrandes convenables, sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches. J'ai parlé! Des avalanches, ici, par quel miracle? Pas de réponse du Tout-Puissant. Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvée. La voix venait du sous-sol. Donc, il faut que j'aille au sous-sol. Oui, mais où je vais, par où je descends? Du vin, ou plutôt du vinaigre. Uh-huh. Tiens, l'a bu quand même. Je peux suivre l'odeur. Une illusion. Ah. Intéressant. Qui ose déranger ma divine incarnation?
Geralt de Rive. Enchanté. Je m'attendais à voir un tout puissant de chair et d'os, mais pas de cette corpulence, engraissé sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos ? Le dos ? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseil éclairé. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevés sur la maigre pitance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je lèverai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom. Dois-je me contenter de l'écailler ? Pas question ! Tu peux le leur répéter. Il est moche. Tu moisis dans ce trou depuis longtemps ? Depuis un siècle environ. Un hiver, je m'abrite ici. J'allume un feu si intense qu'il se propage aux buissons en surface par les fissures. La fumée me fait tousser. Et soudain, j'entends un paysan. Une voix de nulle part, il dit. Un miracle. Ce jour-là, je suis devenu un dieu. Ouais. Disons plutôt un parasite. Admettons. Mais quelle différence avec Freya ou Melitel, qui exigent prière et offrande sans rien donner en retour. Moi, au moins, je parle. Il me vient une idée pour résoudre ce problème. Je n'ai qu'à te tuer. Ouais, j'ai plus beaucoup dit. Donc, je vais méditer. Ah ouais, ça fait mal. Ah oui, quand j'ai réparé mon équipement, j'ai décidé de tout réparer comme ça, voilà. J'aurais pas besoin d'aller chez le forgeron pour le pantalon, ni les bottes, ni les épées. Donc voilà, j'ai tout réparé, tout ce que j'avais sur moi. Donc voilà. Du nouveau ? J'ai de bonnes nouvelles. Votre dieu est mort. Il s'agissait en fait d'un simple monstre, intelligent et vicieux, qui a abusé de vous. Vous creviez de faim pendant que lui s'engraissait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Le Tout-Puissant nous avait prévenu. Son départ, ça serait notre mort à tous. Viens, Trébor. Faut prévenir les autres. On n'a plus qu'à prier tous ensemble. Bon. Je crois que je vais vous laisser là, en fait. Donc je vous laisse là. Je vous dis ciao, ciao, et à une prochaine fois. Ciao.